Dans le cadre cours de stratégie développement élevage pour souveraineté avec sécurité alimentaire et nutrition, nous allons voir un exemple de comment nous capables d'arriver justement définir un plan stratégique pour développement élevage là. Un rappel important, c'est qui ça nourrit les stratégies. Stratégie, c'est une série de actions ou bien programme qui doit bien coordonner yon ak lot pour capable arriver dans yon même objectif. Ça valable pour n'importe qui secteur. Et donc dans stratégie développement élevage là, n'a préféré nous à toute décision, tout projet ou bien programme qui doit coordonner yon ak lot pour capable arriver dans yon même objectif. Et dans le cadre de ça, qui objectif n'a pas parlé, c'est développer l'élevage là pour capable aider les peuples haïtiens vivre dans conditions côté li en sécurité alimentaire. On a parlé de sécurité alimentaire, de qui ça n'a pas parlé, si nous songez bien, on a parlé de toute activité qui doit développer qui pour permettre que population li joigne manger en quantité. Donc là, c'est qui contribution élevage là capable permettre pour que peuple haïtien joigne manger en quantité mais aussi tout manger en qualité et qui doit respecter tradition avec culture mounio donc volonté mounio. Songez dans année 2008, te kon gros crise économique qui était frappé pays. Et crise ça, il était venu mener gouvernement prend une série de décisions, tout désordre qui était causé ouais que yo pas jamais joindre une solution si nous pas développer production nationale là. Ça t'est venu bail une nécessité pour que yo renforcer travail ministère agriculture. Et une premier mesure qui prend pour première fois dans l'histoire d'Haïti, c'était création d'un poste de secrétaire d'État pour production animale. Parce que justement, élevage fait partie de production nationale là et ils sont gros morceaux dans la production nationale là. Donc, le ministère a une nécessité pour décider qui ça libéral fait dans la production animale là. Et pour ça, faut que l'IRIVE définisse une stratégie, c'est-à-dire un ensemble d'activités que l'on va coordonner ensemble pour capable arriver dans objectif et qui objectif là, c'est contribuer à la sécurité alimentaire là. Donc travail que nouveau secrétaire d'État a gagné, c'est justement c'est élaborer stratégie ça et puis ouais comment pour l'y faire atterrir. Donc pour ça, il faut rassembler une série d'informations à travers des mondes compétents pour être capable de faire d'abord un bon diagnostic problème yo, et puis pour être capable décider qui solution il doit porter à problème développement élevage. Pour gagner une bonne stratégie, en fait, ou besoin d'abord faire un travail de conception. Et travail de conception ça, on pral faire si on rassembler des compétences qui capable bon information qui permet tout gagner diagnostic là. Deuxième étape là, faut que on capable mettre des structures pour faire atterrir programme là, pour faire exécution programme là. Pour ça on pral gagner des définir qui moyen qui force ou gagner pour faire pour mettre en marche. Et puis faut qu'on gagne tout yon capacité pour faire suivi à évaluation tout ça qu'a fait yo. Première décision qui prend par rapport à ampleur travail là, c'est faire plusieurs thèmes séparer yo. Parce que en dedans élevage là, gagne plusieurs filières et chaque filière yo pas même. Yo pa genye même problème. Donc
stratégie pour développement yo l'obligé différent. Et c'est comme ça yo te vinn décider créer 7 thèmes, 7 groupes de réflexion en fonction de ça qui te existait dans le pays à un moment. Thème ça yo qui laisse que yo te yé. Eh bien d'abord nous te gagné la pêche avec aquaculture, production avec transformation lait, aviculture avec élevage cochon intensif, parce que c'est bête qui gagne à peu près même problématique surtout dans l'alimentation, élevage paysan pour réparer l'environnement, ça c'est un thème que nous parlons qui est très important tout, apiculture, santé bête yo, et puis un dernier thème qui te gagne pour avec sécurité sanitaire tout produit qui sorti dans l'élevage. C'était donc 7 thèmes ça yo qui t'apprend débattre pour bâtir politique production animale là. Pour ça fait, yo obligé mobiliser une série de monde compétents. Ça veut dire des monde qui déjà dans secteur qui on apprend parler yo et des moun donc qui konn problème yo, des moun qui konn qui ça yo plus besoin pour yo capable joindre solution à problème ça yo, et puis des moun qui gen intérêt pour que après ça yo continue goumen pour que solution que yo te identifié yo yo capable appliquer tout bon. Donc dans chaque groupe yo te joindre des producteurs et des transformateurs, donc des représentants de monde qui dans production avec transformation. Yo te joindre donc, ça veut dire des paysans, des investisseurs privés tout qui dans secteur ça yo. Yo te fait appel à des techniciens d'ONG ou des techniciens qui dans l'état tout, et puis à monde qui dans secteur universitaire. Donc c'est tout monde ça yo qui te rassemblé dans différents groupes yo, à peu près on dizaine de moun dans chaque groupe de travail pour chaque thème. Dans première phase ça, yo te privilégié des acteurs haïtiens pour que réflexion faite d'abord en haïtien. Et yo te tiens vraiment, j'aime te dire tout à l'heure, à ce que moun ki la yo, c'est des moun qui gagnent intérêt pour vraiment gagner une stratégie qui développer. Tout moun yo qui t'est rassemblé, yo t'est travail sur une base bénévole. C'est pas pour l'argent. Des réunions qui fait une fois par semaine pendant à peu près 6 mois. Et c'est des moun qui t'est compétent, le nous dit compétent, ça pas veut dire nécessairement diplôme académique, un paysan qui gagne 20 ans d'expérience dans élevage bœuf, li gon compétence sérieux. Donc il y a plusieurs critères pour définir compétences et qui moun yo te mette dans groupe de travail sa yo. Et donc des moun qui informé, qui connaît problème yo et qui capable bay des informations. Donc j'aime te dire là travail là te duré en moyenne 6 mois pour chaque groupe. Et après 6 mois sa yo, résultat c'est que tu gagne 7 documents. En premier draft qui te bail diagnostic secteur en question et qui te mette devant yon série proposition. Deuxième phase programme nan, donc ce programme qui te commencé en 2008, mais en 2009, à peu près dans le mois de juin, à partir de 7 documents sa yo, yo organisé 7 forums, 7 grandes réunions qui te duré yon journée en moyenne, dans la faculté agronomie avec médecine vétérinaire. Dans chaque forum, ça a été gagné entre 60 jusqu'à 150 personnes qui ont participé et tu as gagné un forum pour chaque thème. Donc, qui est-ce que tu as invité dans le forum? C'était toujours acteurs qui sont dans la même filière, ça, mais tu as élargi la quantité de personnes. Tu as gagné représentant l'autre ministère qui est important, tant que le ministère commerce, le ministère santé publique, ministère économie finance. Tu as gagné bailleur de fonds, fois ça, donc des institutions internationales avec des représentants de coopération gouvernement étranger dans le pays d'Haïti, donc monde qui a porté moyens et qui a fait des interventions dans le secteur ça yo.
Nous avons joint des ONG nationales et des ONG internationales qui intéressaient à chaque secteur ça y des étudiants, puisque elle était faite dans la faculté. Et puis, la presse était présente tout comme témoin de travail qui fait. Donc, qui ça qui fait dans chaque forum ça y d'abord, groupe restreint qui était préparé document, il présentait document, il présentait diagnostic, il présentait proposition que le fait. Et après ça, participant dans le forum, il fait des ateliers côté il réfléchi il bail disons yo sous document ça que était présenté ba yo soit yo valider proposition et diagnostic qui fait soit yo critiquer soit yo ajouter soit yo modifier et puis après ça chaque atelier te vienne présenter réflexion et résultat travail que vous fait sous document donc ça te permet que groupe initial là qui t'est préparé document de base là, ils font compilation de propositions et de critiques et après ça, ils permettent adoption d'un document final officiel. Donc tout document ça yo, yo t'est venu publié sous site ministère agriculture et jusqu'à présent, yo là nous capable consulter document ça yo. Le fin fait yon réflexion comme ça qui mène à des propositions concrètes, qu'on y a là, faut une capacité pour exécuter stratégie ça, font suivi de sa cap fait, et puis de temps en temps évaluer comment plan ça y a à exécuter. Donc première condition c'est que acteur yo doit prendre engagement pour yo tout yo travail selon ça qui dit et ça qui est décidé ensemble. Et ça fait que vous avez invité tout acteur dans le forum pour prendre engagement que ça vous pouvez le faire après le forum, non? Eh bien, vous devez aligner à la proposition ça que tout le monde est d'accord sur vous. Mais deuxième point, c'est que il est important pour que vous mobilisez même acteur pour que vous continuez à assumer des responsabilités. C'est pas seulement élaborer proposition yo mais pour yo accepter participer dans coordination qui doit faite de différentes actions de différents acteurs yo et non on suivi qui doit faite de action ça yo donc groupe de concertation qui était monté yo qui était préparé proposition yo et qui prend abouti à forum yo travail là t'est fait commencer après forum là et après adoption document final là faut yo t'est organisé en concertation permanente pour que gagnent un suivi permanent et une évaluation permanent de ça qu'a fait yo problème nous fin 2009 document yo fin adopté janvier 2010 nous compte ça qui passé dans pays là Port-au-Prince crasé, Yogan crasé, donc pays à genoux. Ça vient fait que priorité tout le monde dans moment yo vient changer. Et c'est même année ça nous pral vinn gagner problème choléra, nous pral vinn gagner élection qui pral fait et pral vinn gagner un changement dans gouvernement. Alors faut me dire nous que traditionnellement ministère yo gouvernant yo gouvernement yo pas croire dans concertation ça c'est expérience personnelle moi c'est pas tout le monde qui croire dans concertation quand pile monde depuis en position chef pour yo même chef c'est décider toute bagaille mais surtout décider pour tout alors que chef c'est décider toute bagaille mais ou gen droit décider en fonction d'un dialogue qu'on gagne avec tout le monde donc nous avons un problème de tradition dans le dialogue dans le pays d'Haïti. L'autre bagaille, c'est que le gain corruption dans une série de programmes, en pile monde, pas gain intérêt dans la concertation. Parce que concertation, pour elle dit transparence, pour elle dit partage d'informations, ça veut dire qu'on est budget, qu'on est qui ça l'argent est supposé faire. Donc, c'est pas seulement que moun n'a pas croit dans la concertation,
Mais en pile fois, à cause de corruption et de impunité qui gagne, moun nan pa gen intérêt dans concertation. Li vle travail pour compte li pour capable voler pi bien. Un autre facteur qui est important, c'est que moun ki gen l'argent nan men yo, n'a parlé de ONG yo, de bailleurs de fonds. Yo gen des habitudes qui coriace depuis longtemps. Yo pa jam jwenn un gouvernement qui dit pour dire qui ça pour yo fait. Donc yo vinn prend habitude depuis l'argent nan men yo, yo fait ça yo vle. Et le l'argent nan mon vrai ou gen capacité pour faire ça vle. Faut ta gen des mécanismes qui pour bloquer l'argent le ou pas fait ça que ou ta supposé fait. Et mécanisme ça yo, yo rarement existé. Donc, malgré tout, malgré le fait que tout processus a été perturbé, été cassé, gagné quelques résultats que nous capables de voir qui ces résultats dialogue ça. Par exemple, dans le rapport commission présidentielle sur compétitivité économie pays qui était fait en 2010 justement, grâce à toute brasser l'idée ça qui était faite sur élevage, eh bien commission ça réfléchir sur tout aspect économie pays, les placer élevage là comme une quatre secteurs qui pour râler économie pays. À côté de reconstruction, à côté de textile, à côté de production vive et tubercule dans pays. Donc, yo te mette élevage là comme une gros secteur qui est important, fait partie de agriculture. Et en agriculture, il était identifié élevage là comme un quatre secteurs qui est important. Toujours comme résultat de concertation, nous devons joindre renforcement réseau l'Etagogo qui lui-même devine passer de 10 à près de 30 laiteries à partir de 2010 à 2015 côté grand pile ONG en pile bailleur de fonds qui allait dans sens stratégique ministère a été défini pour secteur l'être là qui c'était renforcement modèle l'état gogo tout partout dans pays là. Et c'est ça qui vient bail tout naissance à Finapola et à programme identification Betio qui lui-même tout qui c'est résultat yon grand concertation qui était faite. L'autre exemple tout c'est réseau Moringa d'olive d'Haïti qui vient prendre naissance à partir de 2012 qui sorti tout dans concertation qui était faite autour de questions sécurité alimentaire, de questions et manger dans l'école. Donc réseau Moringa d'olive vini yon cas concret de résultat concertation. Nous avons agriculture production œufs en particulier qui fait gros progrès dans pays a li même tous ces résultats travail groupe de concertation chita qui fait et toute une série de décisions qui prend pour protéger marché contre envahissement produits étrangers. Puis devant nous pral wè par exemple même si c'est pas directement depuis 2010 mais Fenila qui créé récemment les ces résultats en concertation donc l'esprit concertation l'esprit travail ensemble ça qui fait dans secteur production animale depuis année 2008-2009. Apiculture tout, nous avons activité qui fait récemment dans apiculture, acteur qui l'a dans yo, en pile dans yo pral dou l'idée yo de mettre tête ensemble pour faire des bagages, ça sorti depuis concertation qui était initiée en 2009 et en santé animale tout, nous avons gagné une série d'actions cap fait autour de grâce à concertation. Donc, quelle leçon nous devons tirer de situation ça? Bon, premièrement, faut me rappeler nous que dans l'autre pays, acteurs qui dans secteur agricole là, yo gen objectivement plus intérêt qu'en Haïti. L'homme dit plus intérêt, comme gagne des gros investissements qui fait dans secteur agriculture, dans secteur élevage, eh bien intérêt ça yo obligé mettez moun yo chita ensemble pour yo préserver intérêt sa yo. Et là nous parlons de type producteur, dans la majorité pays région
un petit producteur, il y a un niveau de production qui est beaucoup plus important que le niveau petit producteur haïtien. Ça fait que le secteur, ça y a, du fait que y a intérêt, y a organisé. Et en permanence, y a toujours gagné dans Valizio, dans Djakoutio, une série de propositions pour y a fait l'État. Et y a monté des fédérations, y a gagné des chambres d'agriculture qui sont puissantes parce que y a habitué Chita ensemble. Et tout intérêt, ça y a, que le secteur économique ça représente, il force tout parti politique yo gagner dans programme yo yon bonne proposition pour secteur agriculture avec secteur élevage. L'autre bagaille que nous capable ouais comme exemple c'est question politique commerce là. Ça fait tarif la douane, nous t'expliquer nous qui j'en fait dans pays d'Haïti. Yo adopter des tarifs qui crase l'agriculture comme ça parce que pas de monde organisé qui t'a défendre l'agriculture parce que pas de monde qui gain gros investissement dans l'agriculture. C'est petit paysan qui porter sous tôle toute agriculture et petit paysan qui problème organisation. Et malgré que l'État haïtien décide de changer tarif yo depuis l'année 2015 et que l'averti tout partenaire commercial que li pral adopter des nouveaux tarifs douane qui semblait avec sa CARICOM parce que Haïti rentre dans CARICOM, malgré décision prend, il n'y a pas jamais appliqué. Dans l'autre pays, tout producteur a été campé pour bailler le gouvernement pression pour appliquer sa deal pour le faire. Donc, c'est une leçon pour nous tirer. Il y a des difficultés dans le pays d'Haïti. Ces petits paysans pauvres qui portaient sous dôle majorité activité production agricole avec élevage. Donc intérêt que paysans pauvres gagnent pour agriculture avec élevage sont intérêts qui diluent. D'ailleurs nous te ouais dans chiffre sécurité alimentaire que activité agriculture avec élevage pas permettre au monde manger correctement. Donc moun yo gagne de l'autre activité commerciale, de l'autre activité professionnelle qui permettent yo manger plus que agriculture. Et peut-être qu'ils sont capables de plus gourmer pour l'activité ça que pour l'agriculture. Intérêt pour l'agriculture est dilué dans le pays. Organisation filière est faible en conséquence parce que pas de gros intérêt économique. Et puis il faut nous relater tout que organiser tout pour faire l'état des propositions. Dans un pays qui gagne une tradition de dictature, côté créer une organisation déjà, c'était un acte subversif, il y a arrêté pour ça. Fait que en pile monde inconsciemment yo peu organisation yo pa gen habitude organiser tête yo et ça vient développer une tradition paternaliste côté tout monde attend pour que ce chef là c'est papa président qui prend décision ou pas konn comment le bra fait mais ou attend et en attendant ou plein. Donc qui conclusion nous ka tirer pour nous avancer. Songez que politique avec stratégie élevage, développement élevage, c'est un morceau important dans politique agricole d'un pays. Mais pour un pays capable de gagner une bonne politique agricole, pour définir et pour appliquer, ça n'a pas qu'à faire si pas de bon gens concertation avec participation acteurs. Acteurs n'ont pas qu'à être passif. Il doit être très actif dans la définition et application en politique agricole. Participation, ça, c'est pas seulement pour faire un premier document, c'est une participation qui doit être permanente dans toute phase exécution, suivi et évaluation, atterrissage politique agricole, qui doit d'ailleurs tout le temps modifier, tout le temps adapter. Donc, c'est doit être une mobilisation permanente de acteurs. Mais pour capable gain concertation faut gain deux volontés. Faut gain yon volonté politique depuis en haut qui croit dans concertation mais tout faut gain on volonté depuis en bas n'a parlé de acteurs yo. Parce que c'est en bas qui vraiment gain intérêt, qui gain plus intérêt. Toujours dit l'état pas gain bœuf, l'état pas gain cochon. Donc si pas gon bon politique pour faire vaccination, ça pas déranger fonctionnaire yo dans le fond objectivement.
Donc, c'est moun ki gen cochon, c'est moun ki gen bœuf, c'est yo même qui gen plus intérêt. Donc, c'est yo qui doit goumen pour créer espace de concertation avec l'État. Et depuis en bavlil, depuis l'immobilisé sous ça, eh bien, nous pral wè que en haut, pral plije vansé tout. Mais si en bas n'a pas fait aucune exigence, eh bien, en haut, après te chita, que propose, yo pas fait concertation. Donc, gen espoir, oui, moi pense que nouvelle génération yo, jeune agronome yo ak jeune technicien yo, yo ka pran conscience. Mais pour ça, faut gen réflexion. Si yo rentre nan métier avec même attitude qui se rete tann que l'état bin fait, eh bien nou pa avanse. Donc, gagnons prise de conscience qui doit faite au niveau de jeune sa yo qui veut rentrer dans métier. Et pour rentrer dans métier, pour vraiment intéresser la donne, eh bien, faut que ou un entrepreneur, faut que ou gagne l'argent qui investit. Et définitivement, petit paysan yo, yo ka tourner grâce à formation yo ka capable prendre des acteurs qui viennent avec des innovations. Et ces innovations sa yo qui a fait que nécessité concertation est capable plus grand et est capable aboutir.